Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a une personne qui se dit là tout de suite en ce moment, moi-même. Je fais preuve de sagesse par rapport à cette personne-ci. Cette personne-ci, c'est toi. Que tu sois un homme ou une femme, change même l'image dans ta tête. La personne se dit, oh, moi-même, je fais attention, je fais preuve de sagesse parce que personne d'adorable, hein, personne au grand cœur. Moi-même, j'ai vu personne positive, la personne rayonne. Mais en même temps, il y a un jour où j'ai vu le lion aussi rougir, tu vois. Je me suis dit, hey, c'est faux. Aïe, je sais même plus à quel saint, tu vois, je dois me fier. Attends, il faut personne positive ou personne qui peut. Oh, la personne peut rentrer seulement, tu vois, dans. Ouais, confrontation, moi-même c'est difficile, je fais attention, puisque. Enfin, ouais, on a une personne en réalité, tu vois, qui là tout de suite a du mal à te cerner. C'est la personne qui se dit, ouais, il faut trop, tu sais. Moi-même, je sais même plus quoi faire, je sais même plus quoi dire. Moi-même, quand je te vois, j'ai envie de te parler, mais en même temps, j'ai peur de dire un mot, tu vois, de travers. J'ai envie de fonctionner avec toi, mais en même temps, fonctionner, ça me fait peur de faux. Non, on a vraiment cette sensation en réalité, vous voyez, pour certains, c'est pas à la personne. Tu vois, c'est ça que j'aime pas aussi avec les gens. C'est pas à la personne en réalité que tu as fait quelque chose, hein, mais tu t'es retrouvé, tu vois, dans une situation où tu as dû montrer en réalité, tu vois, qui tu es. Ouais. Tu étais obligé de montrer aux gens que, au bout d'un moment, Martine, faut pas trop pousser Martine dans la boîte aux lettres, elle va s'étouffer dans ça aussi. Tu vois, c'est, wow, il faut faire attention avec les gens, tu sais, les gens ont des sentiments, ont des émotions. Donc, ouais, on sent, tu vois, dans une situation, tu t'es mise debout là, ou bien tu t'es mis debout, et puis tu as dit aux gens, attention là, parce que non, on a assez blagué, on a assez rigolé, maintenant on fonctionne sérieusement là, tout le monde se met bien, tu vois, et puis. Oh, la personne t'a vu dans cet état-là, la personne se dit, oh, moi-même, personne qui se fâche fort comme ça, toi, moi, je fais attention. Parce que, oh. Donc, on a une personne en réalité, tu vois, qui t'a rien fait à la personne. Hein. Mais la personne en réalité qui, personne de caractère, d'un côté c'est hyper bien, mais personne de caractère. C'est-à-dire, la personne peut me mater seulement, tu fais, oh, il faut que je fasse. Je vais faire attention avec toi, parce que moi-même, je. Je sais même plus, personne au grand cœur ou personne avec caractère. Comme si tu pouvais pas faire les deux en fait. Tu vois, c'est. Moi-même, je veux qu'on marche. Moi-même, je me dis. On me dit, fais attention, parce que c'est la personne en réalité qui peut faire des problèmes. C'est la personne qui peut. Oh, la personne peut te faire, peut te fatiguer, peut te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, c'est. Je vais pas te mentir, hein. Je sais en réalité que si Bernard me dit fais attention à Martine et toutes ces choses, c'est que peut-être lui-même il a ses raisons, tu vois. Moi-même je t'ai vu, tu vois, dans une posture et je me suis dit, oh, personne dangereuse seulement, tu vois, c'est oui. Mais moi-même je me dis, bon, ça arrive, tu vois, des fois de s'emporter. Il faut mettre les gens, tu vois, à leur place aussi de temps en temps, mais. C'est bizarre que. Pourquoi Bernard vient me dire que je dois faire attention à toi? Pourquoi Bernard se met sur mon chemin et puis me dit, wow, tu vois, cette personne-là lui donne même pas la main. Quand tu vois la personne, lui dit même pas bonjour. Regarde même pas la personne dans les yeux, puisque la personne peut t'envoûter seulement. Tu vois, c'est. Non, on a une personne qui déjà même, tu vois, je flippais un peu, tu vois, de toi. Et puis là, on est venu me sortir des choses qui font que, why, moi, même si je te vois, je fonds seulement, tu vois, c'est fou. Chair de poule, tu vois, c'est. Je sais pas. Attends. Pour certains, en réalité, c'est une personne qui, ouais, nous-mêmes, on fonctionne au travail ensemble, tu vois. On fonctionne au travail et puis on lui a dit, oh, fais attention parce que c'est pas n'importe qui. La personne peut te froisser aussi un jour, tu vois. C'est. Moi, j'ai quand même envie de venir, hein, je passe. Mais j'ai peur, hein, dans un sens, j'ai peur, faut dire des choses. Mais de l'autre côté, je me dis des fois même, tu sais, il faut que se construire aussi avec des gens de caractère. On a une personne, tu vois, qui, de base, tu vois, les personnes de caractère qui se laissent pas faire, moi-même, c'est ceux qui m'attirent. Tu vois, oui, je vais toujours me méfier de toi, je vais me mettre dans une posture, j'ai envie de te dire, pour que, voilà, tu ne me détestes pas, ou que tu ne m'envoies pas bouder, ou pour ne pas entrer en conflit avec toi. Mais moi, ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est pourquoi Bernard, il me dit qu'il ne faut pas que je vienne, tu vois, en ta direction. Pourquoi Bernard me dit en réalité il faut pas fréquenter Micheline, il faut pas partir en direction de Bernadette puisque oh, fais attention, tu vois, c'est moi je comprends pas ce qui se passe.
Donc on a une personne en réalité qui, moi-même, j'écoute, hein, tu vois, c'est mon collègue, ou bien c'est mon pote, ou bien c'est une personne de la famille. Donc moi-même, j'écoute, tu vois, ce que la personne a à me dire, mais je me dis, tôt ou tard, je vais te coincer, tu vois, un peu, voilà, quand je vais te voir passer, je vais t'accoster plus. Je ne veux pas te coincer quand même, mais je vais t'accoster quand même pour que tu... Explique-moi ce qui s'est passé, parce que on a l'impression que Bernard il est jaloux, comme si Bernard il veut pas, tu vois, que je t'approche, comme si la personne en réalité, tu vois, me cache quelque chose de pas net. Toi-même, il faut m'expliquer avec tes mots, parce que je préfère quand tu m'expliques avec tes mots, tu sais, c'est... Pour certains, je vais pas vous mentir, hein. Vous attirez fortement une personne. La personne même, oui, je n'ai qu'une seule envie dans ma vie, tu vois, c'est fonctionner avec toi. Par contre, la personne n'aurait pas dû dire ça à Bernard, parce que Bernard se jaloue en réalité. Il veut pas, tu vois, que la personne fonctionne avec toi. Bernard se dit, oh, si tu fonctionnes avec elle, voilà, tu fous. Les gens comme ça aussi, tu vois, c'est fou. Gommer ça avec la gomme magique. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est la personne. Ça va pas l'arrêter. Moi, je te dis ça. D'ici la fin, tu vois, de l'été, la personne va tenter un petit rapprochement. Je vais pas te mentir. On a une personne qui a peur de se casser les dents, tu vois. C'est la personne qui se dit, ouais, moi, mais j'ai peur seulement. J'ai peur en réalité que demain je te dise un truc, tu vois, qui te fait pas plaisir, et puis tu passes, tu me gifles seulement parce que voilà, tu peut-être si t'es une personne méchante, je finirais bien par le voir, mais jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune once de méchanceté, tu vois, dans ton comportement, dans ta façon de faire, dans ta façon d'avancer. Bien au contraire, on sent en réalité que t'es tout le temps, tu vois, sur une fréquence positive, t'es tout le temps dans l'ouverture, t'es tout le temps en réalité, tu vois, comme. T'es là, tu nous as montré où on sait partout où tu passes. Parce que pour certains, je vous dis ça, vous voyez, parce que c'est dans le travail. Pour d'autres, c'est dans la famille. On sait que vous êtes des personnes bien. La personne a passé suffisamment de temps avec toi, tu vois, pour réaliser en réalité que personne n'a grand cœur. Pourquoi on devrait avoir peur de la personne, tu sais, c'est. Oh, moi, ça me fait mal à la tête, t'imagines? Non, je sais même pas comment tu fais, tu vois, pour avancer. Voyons. Toi-même, tu peux pas te construire tranquillement sans qu'une personne essaie, tu vois, de te mettre un bâton dans les roues. Ils ont que ça à faire, ces gens-là. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, nous-mêmes, on a vu, hein, tu te protèges, tu cherches pas les conflits, tu cherches pas les gens, tu cherches pas non plus, tu vois, à te faire d'amis, mais c'est comme si ça dérangeait, tu vois, certaines personnes de devoir avancer avec quelqu'un. Parce que si toi-même, tu avances, parce que imagine. Julien dit, oui, moi-même seulement, je veux fonctionner avec Micheline, on va vivre, on va faire des bébés, on va faire plein de trucs, on va partir en voyage et tout. Eux, ils auront le seum. Tu vois, c'est ça leur problème. C'est que ces gens-là, ils ont déjà le seum de toi quand ils te voient passer. Ouais, tu rayonnes, tu fais ta vie. On a l'impression, en réalité, c'est comme si ces gens-là, ils vivaient même pas sur Terre. Tu vois, parce que comme si tu les voyais pas, ils sont dans la 5D, tu les vois pas, tu vois, tu passes, tu fais ta vie. Ils ont déjà le seum parce que tu les calcules pas. Donc, en réalité, ils sont obligés d'aller chercher une armée de semeurs parce qu'ils font qu'ils ont le seum tous, tu vois. Donc, ils vont créer une armée, en réalité, bon, dans leur tête seulement. Nous-mêmes, on n'a pas peur de ça. Donc, ils vont se créer, j'ai envie de dire, voilà, on va faire une armée de personnes qui ont le seum pour éventuellement que Julien ne parte pas avec Micheline, parce que ces deux-là, non, Julien va mettre Micheline trop bien, Micheline va mettre Julien trop bien, non, 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 ils vont nous mépriser, après ils vont nous regarder de haut, ils sont tous malades, hein, ces gens-là. Non, je ne sais pas où vous travaillez, je ne sais pas, j'ai envie de dire, dans quel environnement, peut-être même c'est près de ton lieu de vie, peut-être c'est dans... Il y a des gens en réalité près de chez toi, ils sont pas nets, hein, je te dis ça vraiment, parce que pour fonctionner comme ça, c'est grave, hein. C'est soit éventuellement t'as pas d'occupation dans ta vie, soit éventuellement c'est que, non, pour certains, votre lumière dérange les gens. Moi je vous dis ça, vous avez une personnalité, toi-même aussi. Quand nous-mêmes on fait la loi, tout le monde écoute, toi-même seulement, ta tête est difficile, tu nous dis non, tu respectes pas la loi, et puis toutes ces choses, tu vois, c'est, vous avez un caractère, vous là, on a l'impression vaut mieux être dans ton camp qu'être dans le camp adverse. Non, je te dis ça. On a l'impression en réalité que quand ces gens-là te voient, même eux, ils se collent sur le mur, j'ai envie de te dire, pour ne pas te croiser vraiment. Et puis ils vont parler comme ça, quick, 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 quick. Laisse-moi te dire un truc. Vous allez fonctionner tous les deux. Même si en réalité ils ne sont pas contents, vous allez fonctionner. Même si en réalité la bouche de tout le monde est longue, tu vois, quand tu passes, on s'en fiche. Vous allez fonctionner quand même, puisque la personne a envie de fonctionner avec toi. C'est pas toi-même, tu vas sortir de là, Bernard. Tu vas dire, non, il faut pas fonctionner. Glisse là seulement. Il faut lui dire, hein, on a une amélioration. Non, je vous dis ça, je sais pas comment vous faites, mais on a vraiment cette sensation en réalité. Vous voyez, pour certains, c'est quelque chose qui te fatigue. Donc, je pense que...
Toi-même, t'es le genre de personne, t'as déjà réalisé, il y avait des serpents, tu vois, dans ton environnement, qu'il y avait des personnes, en réalité, tu vois, de pas très bonne composition, mais tu leur as déjà montré aussi à ces personnes, et même à cette personne, tu vois, qui veut fonctionner avec toi, que moi-même, le regard des gens, c'est pas mon problème. Ce que les gens racontent sur mon dos, c'est pas mon problème. Ça me donne pas à boire, ça me donne pas à manger. Si nous-mêmes, on doit fonctionner, on va fonctionner, donc... Je vois, c'est cette mentalité-là, tu vois, que l'autre aime chez toi. Oui, non, je te dis ça sincèrement. Tu as une espèce de mentalité qui fait que, oui, une espèce de façon, tu vois, de... Moi, mais je prends la vie comme elle vient. Les jaloux, vous allez maigrir en passant, tu vois, c'est... C'est ça que l'autre aime chez toi. Et c'est pour ça, en réalité, que plus on déconseille à cette personne de venir en ta direction, et plus la personne, elle vient en ta direction, puisqu'elle se dit, ben voilà, une personne, en réalité, qui ne se laisse pas faire, une personne de caractère, une personne qui ne suit pas, j'ai envie de dire, comme un mouton ou bien comme une brebis, en réalité, ben, c'est ce qu'il me faut, tu vois. C'est avec une personne comme ça que j'ai envie de me construire, pas une personne qui est là, nanana, tu vois, et puis, oh, qui prend tout pour argent comptant. Oui. On a vraiment cette sensation en réalité, vous voyez, pour certains, tu vois, je sais pas qui c'est là, mais on va l'appeler Bernard, parce que c'est des Bernards qui font des trucs comme ça. On va l'appeler Bernard. Bernard, en réalité, tu vois, essaie de te mettre des bâtons dans les roues, mais Bernard va se mettre des bâtons dans les roues, puisque à force de chercher ou d'essayer de générer des conflits, j'ai envie de dire, chez les autres ou dans la vie des autres, Bernard va se retrouver tout seul, tu vois, sur le bas-côté, en voyant en réalité que vous allez fonctionner et puis que. Bernard va rester là à te regarder par sa fenêtre. Je te dis ça juste comme ça. En attendant, n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, de tous ces semeurs, de ces personnes en réalité, vous voyez, qui, ouais, nous-mêmes, on va essayer de créer une bande de semeurs, j'ai envie de te dire, pour essayer de, voilà, de fonctionner dans ton dos, parce que il n'y en a pas un, j'ai envie de dire, pour rattraper l'autre, et il n'y en a pas un en réalité qui a suffisamment de poids dans la balance pour arrêter ta progression ou pour arrêter, tu vois, ta vie ou en tout cas ton évolution, hein, de manière générale. Laisse-les avoir le seum, mets toutes tes dents dehors quand tu les vois, parfume-toi jusqu'aux os pour que ton odeur reste dans leur nez pendant une demi-journée après ton passage, et puis ça va bien se passer. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.